Good morning, allez, Yiden, les tutors aujourd'hui, le Lunishmet, Ramim Ben Rosa, Chaya Bat Tova, ainsi que leur fouette, le Felsbloud Ben Chaymania, Mariam Bat Rasida, Dov Ben Yehudit et Sarah Bat Betirivka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Berot, Perek Bet, Mishnah Dalet. Hamekabel Tson Barzel Minanochri, Vladot Pturin, ou Vlade Vladot Chayavin, Heemid Vladot Tachatimotehen, Valde Vladot Pturin, ou Valde Vladot Chayavin. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Afilu Adasar Dorot, Pturin, Shachar Yutan, Lenochri. Mishnah délicate. Le principe, il est assez clair. Le problème qui va se poser, c'est de faire entrer tout ce qu'on va expliquer dans les mots. Il va falloir ajouter beaucoup, se dépatouiller et expliquer. On explique d'abord, tout d'abord, c'est quoi le Tson Barzel. Tson Barzel, c'est quelque chose qu'on avait rencontré déjà dans Baba Metzia. C'est lorsque deux personnes vont faire un accord entre eux. Un va prendre en gérance le troupeau de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, Reuven a des vaches mères aptes à mettre bas plusieurs veaux. Il n'a pas le temps de s'en occuper, il est trop riche, il est trop... Et il va trouver un petit fermier comme moi, et il va me donner ses vaches, et puis je vais les élever. Et ben on va fixer pour 10 ans, par exemple. 10 ans, je prends, je les élève, et donc moi, je me donne à fond, et je vais les engraisser, puis elles vont se multiplier autant qu'on peut. Et après 10 ans, il vient, et je lui rends le capital. C'est important, je vais expliquer comment je lui rends le capital. Je lui rends le capital, on se partage aussi, moitié-moitié, tous les fruits qu'il y a eu. D'accord? C'est le principe de Tson Barzel. Plus précisément, Tson Barzel, si on traduit littéralement Tson, c'est le bétail, le menu bétail, Barzel en fer, le menu bétail en fer. C'est-à-dire quoi du menu bétail en fer? Ça signifie que il va me donner, par exemple, un troupeau, une famille de mères, ou de vaches par exemple, ou de, peu importe, de moutons, enfin bref, et il va me donner par exemple, il va y avoir là-bas 20 têtes, 10 mâles, 10 femelles par exemple, et il y a pour une valeur de 10 000 euros, d'accord? Eh bien, on va fixer au moment où je vais les recevoir que ces animaux-là, je lui dois désormais, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, 10 000 euros. Même si les bêtes vont se dévaluer, après au bout de 10 ans quand je vais les lui rendre, elles vont être affaiblies, elles vont être, d'accord, elles vont valoir moins, mais il faudra que je complète de ma poche d'abord ce qu'il m'a donné, jusqu'au montant qu'il m'a donné, d'accord? C'est ce qu'on appelle Tson Barzel, ça se retrouve dans plein d'endroits, ça signifie que quelque part, c'est comme si il m'a donné un troupeau en fer, comme le fer, il ne se détériore pas avec le temps, eh bien ce troupeau-ci, sa valeur ne se détériore pas, parce que même s'il se détériore, je dois payer de ma poche. Ce sujet-là, on l'avait découvert longuement quand on avait étudié Hilchot Ribbit, on était dans Baba Metzia, Perek Ramishi, de Ezon Necher, on en parlait, il y a des grands problèmes de rubit. Là, en l'occurrence, on est en train de parler d'un goy. Donc, avec un goy, il n'y a pas de rubit. Donc, les animaux appartiennent au goy. Maintenant, on revient maintenant, on va commencer à aborder la Mishnah. Donc, on parle en fait d'un goy qui va, comme je dis, par exemple, il m'a donné 20 têtes, 10 taureaux et 10 vaches, à moi de les élever pour qu'ils se multiplient. Il me les a donné, on est fixé donc 10 000 euros, et moi, je les prends, et je commence, et c'est parti pour 10 ans de travail. On travaille dur, on les élève, on va les faire paître, et tout ça. Et donc, ils vont se multiplier. D'abord, une première précision. Alachiquement, le statut des 20 vaches, des 20 têtes qu'il va me donner au début, ouais, 10 mâles, 10 femelles, déjà, même si, de manière, c'est lui qui est le propriétaire attitré, j'ai pas le droit de manger ces animaux, je les lui dois, c'est à lui, malgré tout, il faut savoir déjà, premièrement, que sur plein de domaines de halakha, elles sont considérées malgré tout comme les miennes. Le fait que je sois responsable, que j'ai la harayut, je dois moi les garantir à 100%, eh bien ça fait qu'elles sont d'une certaine manière considérées comme les miennes. D'où la question par rapport au ilchot bechorot. Lorsque ces animaux vont mettre bas, lorsque ces vaches vont mettre bas, imaginez qu'elles n'ont jamais mis bas pour le moment, est-ce que les aînés qu'elles vont avoir, si ça va être des mâles, est-ce que je vais être hayav bibchora? Est-ce que ça s'appelle que c'est un troupeau d'Israël, de juifs, ou non? Vous devez sûrement vous rappeler qu'on étudiait ça déjà au début du Pérec, on en parlait, mais maintenant on va mettre le zoom dessus pour bien détailler les détails, pour bien détailler sa lachot. Donc le problème, je reprends, le problème maintenant, donc, il m'a donné ces animaux, ils sont d'une certaine manière considérés comme les miens partiellement, mais pas vraiment comme les miens, et d'où la question, est-ce que lorsque ces vaches vont mettre, est-ce que je les lui dois? Alors sur ça, vous avez raison, voilà. Comme ce qu'on a dit, on a déjà appris
c'était dans le Amekabel Mimeno, celui qui fait une Kablanout, dans le Mishnah Aleph, il y avait déjà marqué que je suis dispensé de ces animaux. Ça, on n'en parle même plus dans notre Mishnah, en fait. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être les petits qui vont mettre bas. Il va y avoir une génération, deux générations, trois générations, quatre générations, on va même partir jusqu'à cinq générations. Première génération, c'est celle qui m'a donné. Après, l'année d'après, elles ont mis bas. Deux ans après, celles que les petits veaux et tout ça qu'ils ont mis bas, eux aussi vont se reproduire. Je ne sais pas combien de temps ça prend, peut-être j'ai un peu trop forcé sur la dose. Imaginez qu'on a pris une cablanoute pendant 15 ans, 20 ans, peu importe, là n'est pas le problème. Donc, on va avoir une première génération, une deuxième génération maintenant. Chaque année, lorsqu'il y a des petits, en théorie, on doit se partager. C'est-à-dire, tous les ans, alors là, c'est là où ça va se compliquer en fait. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais d'abord vous poser l'idée, après on va apporter les solutions proposées par le Tiferet Israël. L'idée générale qu'on veut dire, c'est de nous dire que bien qu'en théorie, le principe de la Mishnah, il est de me dire que bien qu'en théorie, lorsqu'il m'a donné maintenant en gérance son troupeau, et que maintenant moi je vais le développer, il va y avoir dans tous ces troupeaux, tous ces nouveaux-nés, il va y avoir une certaine partie qui va m'appartenir. Et puis après, eux-mêmes, ils vont ensuite se redévelopper de nouveau. Et parmi ceux qui vont se redévelopper, il va y avoir une autre partie encore, une fois qu'il va m'appartenir. De chaque couple, lorsqu'on va faire deux animaux, ce sera un pour lui, un pour moi. Donc vous imaginez bien qu'au bout de 10 ans, si on se retrouve, on avait 20 têtes, on se retrouve au bout de 10 ans avec 100 têtes. Il y a à peu près les 20, c'est son capital, mais parmi les 80, ça fait 40-40. Donc moi aussi, j'ai un troupeau. Et le but de la Mishnah, il est de me dire, sache que même si tu as un troupeau, et qui est de deuxième génération et de troisième génération, même parfois, eh bien, et que ça m'appartient, parce que ça, il ne va pas les prendre. C'est comme si, quelque part, puisque dès qu'on se retrouve avec maintenant 40 nouvelles têtes, ça va faire 20 et 20. Parmi les 20 que moi je vais prendre, normalement, elles sont à moi, elles ne sont plus à lui. Donc elles devraient m'appartenir à moi. Donc si elles devraient m'appartenir à moi, en théorie, je devrais être Hayav Bibchora. Dès qu'il va y avoir un mâle, je devrais les lui donner. Et le principe de la Mishnah, il va être de me dire tout simplement que malgré tout, étant donné qu'il peut y avoir un concours de circonstances désagréable, c'est que le goy, lorsqu'il va venir pour récupérer son argent, son capital ou sa part, il va y avoir un problème, que je ne vais pas avoir de l'argent liquide, et il va me dire, bah, tu sais quoi, moi je prends celle-là, et je prends celle-là. Et il va commencer à prendre mon troupeau. Puisque le goy, dans cette situation, il a une mainmise sur ma part, alors la Mishnah va m'apprendre, me dire demain, tu sais quoi, puisque le goy, il a une certaine mainmise, ça signifie qu'il a une certaine association dans le troupeau, et donc ton troupeau, il est dispensé. Et la Mishnah, elle va se passer en deux temps. Au début, elle va me dire, alors, il y a 10 000 problèmes dans la lecture de la Mishnah, donc je préfère tout vous vendre tout de suite. La Mishnah, en fait, on a l'impression que la Mishnah, elle va parler de la deuxième génération et troisième génération, mais en fait, la Mishnah, elle va parler de la troisième génération et quatrième génération, en fait, en me disant que, en temps normal, alors la première génération, on n'en parle même pas, c'est sûr, ça appartenait au Goy. La deuxième génération aussi, alors là, c'est certain qu'elle est dispensée de la proie. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la troisième génération. Est-ce que la troisième génération, lorsqu'elle va mettre bas, est-ce que ça sera Chayav Yuchra ou Patron Minaprora? La Mishnah va me dire que la troisième génération sera dispensée, mais la quatrième, elle sera imposée, sauf si j'ai fait une condition particulière, que je lui ai dit, tu sais quoi, et si tu ne trouveras pas la deuxième génération pour venir récupérer ta part, tu pourras même prendre la troisième génération, dans ce cas-là, j'ai tout décalé d'un cran. D'accord? Donc on ira jusqu'à la quatrième, par contre la cinquième génération elle sera dispensée. Et dans la fin de la Mishnah, on va découvrir qu'il y aura Rabban Shimon Ben Gamliel qui va me dire que non, même jusqu'à 10 générations, elles sont toutes dispensées parce qu'en cas de problème, il va toujours finalement venir chercher la 10e génération et va la prendre quand même. Donc puisqu'elle a une mainmise même sur la 10e génération. Tandis que donc son Rabban Shimon Ben Gamliel, il a une certaine mainmise dans toute l'histoire, donc ça dispense. Tandis que Tanakama, il va me dire non, il a une mainmise sur la première génération, bien sûr, sur la deuxième génération aussi, sur la troisième génération, oui. Mais pas la quatrième, sauf si j'ai fait une condition mauvaise que je lui ai dit. Que je lui dis, s'il y a un problème, tu pourras venir la prendre même. Donc là, je lui ai moins ouvert la porte. Mais on décalera qu'à la quatrième génération, ainsi de suite. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, il y a un problème technique. Et là, ça devient plus compliqué. Il va falloir comprendre grâce au Tiferet Israël. Tout ça, je le fais avant de faire dans les mots. Parce que les mots, ils vont presque rien dire, en fait. Ça va être très, très flou au possible. Il n'y aura rien d'explicite. Mais on n'aura pas touché au problème. Donc je préfère d'abord tout poser avant, et puis après on découvre ça. Le Tiferet Israël, il y a un problème technique. C'est que si m'a mis le troupeau en gérance pour 10 ans, alors la deuxième année, troisième année, quatrième année, il n'y a pas encore des animaux qui sont déjà à moi, et d'autres animaux qui sont à lui. Pour le moment, c'est tout en association. Et tout ce qu'on a en association, eh bien, on se partage. Et on est sur chaque... Tant qu'on n'a pas partagé,
C'est une grande règle dans les associés. Tout ce qu'on va produire, eh ben, sur chaque chose, chaque vache qui va naître, c'est pas qu'il y en a une à moi, une à lui. Les deux, elles sont à nous deux. Moi, je possède la moitié, lui possède la moitié. Mieux que ça, même, ça peut aller plus loin. Je possède la moitié du pied, et la moitié de l'autre pied, et la moitié de la tête, et la moitié de l'oreille, et la moitié de... C'est une association totale, donc ça fait sur chaque petit détail de l'animal, on a deux dessus. Donc si on a deux dessus, donc je suis dispensé parce qu'on est associé de toute façon. C'est pas parce qu'il a une main mise dessus, c'est parce que concrètement, on est associé. Il y a une part qui a, de l'animal qui appartient à lui, donc on n'a pas partagé. C'est une problématique. Il me semble que c'est soulevé par Tosfot. Le Tifafissal fait explique en fait qu'en réalité, on a fixé la condition. Qu'aussi tous les ans, moi je prends ma part et je fais ma vie. Donc on a fixé les choses de cette manière. Mais sans que ce soit un partage officiel en sa présence, de ce fait, il garde quand même la main mise sur le troupeau. Vous avez compris un petit peu le jeu. C'est-à-dire, le principe de la Mishnah, il est clair. Le principe de la Mishnah, c'est nous apprendre la main mise. Concrètement, comment ça s'exprime, ça devient un peu plus compliqué. C'est ce que je viens d'expliquer, que le Tifafissal propose de faire. C'est qu'en fait, on a posé la condition que tous les ans, que dès qu'il y a des nouveaux, on se partage directement, on prévoit, mais qu'au pire, il pourra revenir, et voilà. On va commencer maintenant à traduire la Mishnah. Vous allez voir, dans les mots, ça va être très facile, ça va bien passer, et le Bartenois, il n'a pas beaucoup parlé sur toute la dernière partie qu'on a évoquée, de quoi on parle exactement, mais la question, elle est très pertinente. En tout cas, il traduit comme ça, on traduit comme ça. « Amekabel tzon barzel minanokhri » Celui qui reçoit un troupeau de fer, c'est-à-dire, il reçoit des animaux que, quoi qu'il arrive, il remboursera leur contre-valeur, « minanokhri d'un goy » Et la question est de savoir à qui appartient à ce troupeau. Est-ce qu'il est en association? Donc dispenser de la Bechora, de donner les nouveau-nés au Kohen, les premiers-nés au Kohen ou non. Alors la Mishnah m'enseigne que Vladot Pturim, les enfants seront dispensés. C'est-à-dire, on ne parle pas des enfants, la deuxième génération qui va naître, mais plutôt de la deuxième génération qui va accoucher la troisième génération. La troisième génération, elle est dispensée de. Comme ça, le Bartenois, il explique. Ouais, ce qui rallonge. Regardez, vite fait, j'ai pas envie de trop traîner parce que ça va être un cours qui est un peu long. Bon, en tout cas, c'est écrit Vladé Vladot. Ouais, il faut tout décaler d'une génération. C'est-à-dire, on parle pas de. Concrètement, le Michel nous parle de la deuxième génération qui est dispensée, mais pas dispensée en tant que Bechor, mais dispensée en tant que mère qui va mettre bas. Elle sera dispensée. Donc la troisième génération, elle sera encore dispensée, mais tandis que la troisième génération, lorsqu'elle va mettre bas, alors elle sera concernée par la loi du Bechor. Et la Mishnah continue en me disant, donc, ou Vladé Vladot, et par contre, les petits des petits, donc la troisième génération qui va mettre bas, donc la quatrième génération par rapport à ceux qui vont naître, eh bien, Chayavin, ils seront Chayav, ils auront la mitzvah de Bechor. Maintenant, nouvelle condition originale qu'il a fait l'ami. Hehemid Vladot Tachatimoteen. Littéralement, il a placé les petits à la place de leur mère. C'est-à-dire qu'il a posé comme condition avec le Goy, il lui a dit, s'il y a un problème, que si tu ne trouveras pas de quoi te faire rembourser la mère, eh bien, tu ne me demanderas pas que je te paye de ma poche, tu viendras prendre directement la deuxième génération. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il a mis les petits à la place de leur mère, c'est-à-dire il a garanti la mère en mettant en gage les petits qui vont naître. Alors dans ce cas-là, donc, cette deuxième génération, elle appartient directement au Goy. Donc, on décale tout d'un cran. Ou Vladot Pturin, la troisième génération qui va mettre bas, ils seront dispensés. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le Goy, il aura une mainmise, même que s'il ne va pas trouver la deuxième génération, il a à prendre naturellement la troisième génération. Donc, il a une mainmise sur la troisième génération. Donc, lorsque la troisième génération va mettre bas, ils seront dispensés de Bechora. Par contre, ou Vladot, Chayavin. Par contre, les petits des petits des petits, donc la quatrième génération, ils seront chayables lorsqu'ils mettront bas et qu'ils mettront bas la cinquième génération. D'accord? On continue. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Afilu Ad Asara Dorot Pturin. Rabban Shimon ben Gamliel enseigne, même s'il y a eu 10 générations sans condition, sans rien du tout, jusqu'à 10 générations même de vaches, elles sont toutes dispensées. Pourquoi? Shachar Yotan Lanochri, car ils ont. Le Goy a une garantie sur eux. C'est-à-dire que finalement, dans le pire des cas, s'il y a un quelconque problème, ça tourne aussi, peu importe, le Goy, il va se fâcher, il va venir prendre même la dixième génération. Donc ça s'appelle qu'il a une mainmise, même sur elle, le fait qu'il ait encore une éventuelle propriété dessus, mainmise pour se servir, eh bien fait que le Goy, il a donc une part de l'animal, et puisque je suis associé avec le Goy, l'animal sera dispensé de Bechora, et la halakha n'est pas établie comme un Mishnah Mishmoné, mais comme Tanakama. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.